et chers collègues, maires adjoints et élus. Mesdames et messieurs les invités représentants de Dagsberg. Mesdames et messieurs les membres de Dagsberg Eco. Le conseil municipal et la commune de Saint-Jean-de-Sixt tout entière sommes heureux et honorés de vous inviter aujourd'hui pour cette manifestation qui va unir notre village à un autre village d'Europe avec qui, depuis plusieurs années, nous entretenons des liens d'amitié. Permettez-moi maintenant de présenter Saint-Jean-de-Sixt à nos invités. Saint-Jean-de-Sixt, petit village de montagne, 1221 hectares, y compris la forêt, plus de 500 hectares. Saint-Jean est situé à 958 mètres d'altitude, ici au chef-lieu. Sa population, près de 1000 habitants. Une des activités qui caractérisent les villages au Savoyard. Avant de faire le serment de jumelage, M. R, maire de Dagsberg, va vous parler. Zurück. Und den heutigen Tag, den heutigen Aufenthalt verlängert privat und will noch mit weiteren drei Dagsbergern die Tage zur Wanderung in dieser herrlichen Bergwelt. Thank you.
bienvenue à nos invités et amis français, en particulier Monsieur le maire et Madame, ainsi que Madame Brigitte Dupont. Vielen, vielen herzlichen Dank. Merci beaucoup à tous. Merci. Et j'espère que nous avons un joli soir. Comment on dit comme ça? Une bonne soirée. In Saint-Jacques, Jean de Sixt gefeiert wurde, auch bei uns zu begehen. Wir haben soeben einen würdigen Gottesdienst als Einstieg auch in die weltliche Feier miterlebt und mitgefeiert. Und die Jumelage, wie sie im vergangenen Jahr in Saint-Jacques, Jean de Sixt gefeiert wurde, auch bei uns zu begehen. Wir haben soeben einen würdigen Gottesdienst als Einstieg auch in die weltliche Feier miterlebt und mitgefeiert. Den heutigen Tag sind nous avons eu, qui ont précédé ce jumelage officiel qui fait la deuxième partie de notre grande fête prolongée de la grande fête immémorable à Saint-Jean de Sixt de l'année passée. Et à cette occasion, je voudrais également remercier l'âme de notre jumelage, Brigitte Dupont. Pour que notre volonté s'inscrive dans l'histoire de nos deux communes.